groupe UMP. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, selon les sondages, le ministre de l'Intérieur à qui s'adressait ma question est promis un avenir flatteur. Pour certains, Matignon serait à sa portée. Pour d'autres, les portes de l'Élysée lui seraient grandes ouvertes. Alors pourquoi s'est-il engagé dans une opération particulièrement manipulatrice de découpage de l'ensemble des départements ? La loi relative à l'élection des conseillers départementaux a été votée dans la douleur. 278 députés et sénateurs l'ont approuvée, soit 38% des votants, alors que 444 ont voté contre, soit 62%. Le gouvernement a été sauvé par la Constitution, donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale. Cette loi pose deux grands principes, la parité, l'équilibre démographique. Ces principes sont actés et il n'est plus nécessaire que vous les commentiez. Je souhaiterais vous interroger sur la méthode employée pour découper. Monsieur Valls affirmait, s'il n'y a pas de critères, c'est la loi de la jungle. Il a donc pris des engagements forts. Il a été, comme à l'habitude, ferme, précis, voire autoritaire. De plus, il tient la plume en rédigeant les décrets et les ciseaux en découpant à sa guise. Il nous a dit, la représentation des territoires est une nécessité, notamment dans les départements à fort caractère rural. Des cantons trop étendus seraient absurdes. La superficie et le nombre des communes seront donc prises en compte. Les territoires ruraux seront mieux représentés, d'autant que les intercommunalités seront intégrées. Associer son modeste nom à une révolution tout en conservant la dimension rurale, c'est un motif de fierté, nous disait-il. Aucun de ses engagements parmi tant d'autres n'a été tenu. Nombre des 52 avis déjà rendus par les conseils généraux, ainsi que les milliers de délibérations de communes que vous êtes bien gardés de consulter, mais qui s'expriment, sont édifiants, voire cinglants. Ils constatent majoritairement, tous bords confondus, que vous étouffez la ruralité et que vous jouez des bassins de vie et des intercommunalités. Évoquant les services publics et notamment les gendarmeries, M. Valls annonçait « Je souhaite envisager une réorganisation des services publics en tenant compte de la carte cantonale. » Est-ce à dire que divisant par deux le nombre de cantons, vous allez diviser par deux la présence des services publics? Les citoyens apprécieront. J'en viens à ma question. Monsieur le ministre, tiendrez-vous compte des avis des conseils généraux? Avez-vous l'intention de publier en bloc, dans la deuxième quinzaine de février, les 98 décrets vous permettant ainsi de paralyser la réaction des conseils généraux? Parmi les milliers de recours qui viendront de tous bords, au-delà du 1er mars, le Conseil d'État pourrait procéder à quelques annulations. Prendrez-vous de nouveaux décrets, quitte à ne pas respecter la loi de 90? Pouvez-vous nous préciser, à moins de 2 mois de l'échéance, que les règles sur les comptes de campagne pourront fonctionner? Maîtrisez-vous la situation nouvelle issue de cette loi, source de contentieux? Envisagez-vous, si nécessaire, de revoir la date des élections ou de faire voter une nouvelle voix? Madame Le Branchu nous a dit mardi que le gouvernement avait une interprétation sur ces risques. Terminer. Une interprétation, n'est-ce pas une aberration juridique et politique? Merci, Monsieur le ministre. Alain Vidalis, chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, il n'y a pas de loi votée dans la douleur, il n'y a que des lois de la République. Et c'est la loi de la République que nous allons appliquer avec les principes qui sont les principes qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel. Vous avez combattu cette loi, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas le moment d'y revenir, mais vous l'aviez combattu, vous estimiez même qu'elle n'était pas constitutionnelle. Tout ça est derrière nous, c'est bien la loi de la République validée par le Conseil constitutionnel et qui obéit à des principes que vous n'avez pas rappelés. Je comprends votre discrétion sur ces questions-là, mais l'objectif principal qui a amené au choix de ce système, c'est enfin d'avoir une représentation de la parité dans les conseils départementaux. Dans votre département du Loiret, il y a aujourd'hui 7 femmes qui sont conseillères départementales. Je pense que vous pouvez vous féliciter avec nous. C'était l'objectif de la loi. Demain, il y aura 21 femmes dans le Conseil général du Loiret. Dans votre département, l'écart entre le plus petit canton et le plus important est de 1 à 5. Eh bien, demain, chaque voix dans votre département, mais partout en France, comptera de la même manière. C'est l'objectif du redécoupage avec les critères démographiques. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme celle du Conseil d'État, vous donne toutes les garanties. Je ne reprends pas ce que j'ai déjà répondu précédemment à M. Marseille, mais ces règles, elles sont précises, elles sont hiérarchisées, même au-delà d'ailleurs de ce que l'on avait pu comprendre, et notamment la règle prioritaire étant celle de l'équilibre démographique. Vous pouvez prendre connaissance des observations du Conseil d'État, y compris sur les propositions de redécoupage qui sont faites par le ministère de l'Intérieur. Donc ce redécoupage, il se fait dans la clarté, dans une procédure
qui est une procédure transparente. Et vous me permettrez de vous dire que lorsque vous vous étonnez de ces objectifs et de ce redécoupage, je me permets simplement de vous rappeler que ce que vous souhaitiez faire, c'est-à-dire de mettre un conseiller territorial qui viendrait remplacer les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, ça aboutissait exactement à la même nécessité du même redécoupage, avec les mêmes conséquences et exactement les mêmes critères. Permettez-moi de vous le rappeler. Et enfin, je veux, au nom du ministère, au ministre de l'Intérieur, m'inscrire en faux sur ce que vous avez rappelé, malheureusement, pour vous dire qu'il n'y a strictement aucun lien entre le redécoupage cantonal ou la circonscription cantonale et l'implantation des services publics. C'est totalement faux de véhiculer cette idée qu'à l'occasion du redécoupage, il y aurait une remise en cause des Merci. Services publics. Le Merci. Ministre de l'Intérieur s'inscrit en faux contre cette affirmation. Merci. La parole est à Laurence Rossignol pour le groupe socialiste.